à l'envers. Regarde Tancrède, énorme. Là-bas, on va trouver une ligne. Ah, je me souviens plus. C'est génial. Ouais, je crois là-bas, tu as les exits 5 et 6 de ouais. Base jump qui sont bien des verts, là où ils jettent les étudiants. Il y a une belle brèche là. On voit rien. Mais... Non, il y a la cheminée. Waouh. Il y a de l'ambiance là d'un coup. Ouais. Alors. Ouais. 9, 10. On va vite, un, on se parle plus. Deux, ouais, voilà, c'est comme ça, t'as ton copain, il est là, t'as fait 50 highlines avec lui, chacun prend un côté, ça déroule, pas besoin de se parler. Moi j'ai fait pas mal j'étais plutôt le moteur sur les highlines, après... Tu m'appelles en octobre, tu dis bon allez, on va faire du parachutisme, t'appelles ton copain et puis c'est parti, quoi, on part aux US, on fait et du moi, base. Moi ça m'embêtait de commencer à faire du parachutisme et du base sans que t'en fasses partie. Parce que ce projet là de mélanger la highline et le base, je voulais pas être tout seul à le faire. Ouais, t'aurais été tout seul donc j'aurais là du tout coup. Seul. À ouais. Quoi bon, autant le partager ce projet là, sinon ça sert à rien. 11 secondes. 11 secondes, ça fait 450. Je t'aime. Moi non plus. Là, il est indescriptible. C'est vraiment un sentiment très fort. Et la chute qui s'ensuit, qui dure 15 secondes, l'ouverture du parachute, et là tu cries et tu déverses Macaco tout ce que t'as. Mais non! Il y a une vire hein, qui ferme le tout en bas là. Mais si tu tombes sans vitesse initiale, t'as le temps de te retourner et de t'éloigner. Non. Moi je suis sûr que si. Ça tape à 3-4 secondes. Tu n'auras pas d'appui, tu pourras pas te tourner, tu pourras pas traquer. Ouais, c'est vrai. Bon, ok. Ce sera 4 secondes de cauchemar. Et ça, c'est posé sur quoi? C'est posé. Le gros bloc. Donc faut que je fasse gaffe là où je suis en fait. Regarde, ici on
Ouh. Allez. Déjà là, t'es sur une 20 mètres à peu près, je pense. Ah ouais, déjà là, c'est bon en fait. C'est pas mal déjà, tu vois. Ouais. À la verticale, j'ai lancé un caillou en rasant le rocher ici, ça touche même ouais. À la vire. Donc, moins de petits décalages et t'es libéré. C'est bien. Mais faut pas tomber là, hein, c'est sûr. C'est évident. Bah ouais, de toute façon, voilà, ça engage. Hein. Y a qu'un sens où on peut tomber. Renvoie, je t'aide. T'es prêt? 3, 2, 1. C'est à moi. Qu'est-ce que tu m'as balancé là? Tu le sens ou pas? Ça va le faire. Ça va le faire! Yeah. Ça va être bon, ça va être bon! Ça fait combien de temps qu'on y pense à cette connerie là? Voilà, tu penses pas encore. Quoi? Ça va le faire. Alors, j'imagine que j'ai le parachute dans le dos. Il n'y a aucun problème. Le seul problème là, c'est mes lunettes et la buée qui se forment à cause du vent qui remonte. Putain, elle est tendue comme un string. Ouais. 3, 2, 1, tu tournes vers le vide, bam, tu sautes. Ça fait. Énorme. Bad. Good. Tu l'as jeté là, hein. Ah bon? Ouais. Vegas hier, c'était hier, avant-hier, mais j'étais terrorisé par cette falaise, terrorisé par l'ambiance. J'ai mis vraiment longtemps avant de monter dessus, j'ai mis longtemps avant de me lever, et à une certaine échelle j'ai mis longtemps avant de faire mes premiers pas, mais quand je suis arrivé à la fin, t'as quelque chose qui explose, quoi, qui fait un... Sur le moment qui m'a fait monter les larmes et tout. Et quand je vois Bernard faire son solo intégral, marcher sans, complètement libre sur la ligne comme ça, à la fin c'est un peu le même sentiment. Je sais pas, ça fait remonter quelque chose, ça libère quelque chose.
qui doit être un peu hippie, alors je dirais que c'est de l'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça se voit dans les yeux de Bernard quand il revient, c'est plus, il n'a plus le même regard, il est plus, il y a quelque chose qui s'est libéré aussi en lui, je pense. Et c'est ça, ouais, c'est ça que je recherche avec la highline, c'est à libérer des choses. First, all of us on the Eiger, on the mushroom. It was, yeah, quite the same length, maybe a bit shorter. It's a very intense feeling. It's, yeah, it's hard to describe. It's completely different than a walk on a leash. It's just the search for to be free, the feeling to be free. You have nothing around you except the webbing, 1 inch, and yeah, it feels like you're alone in the air, and it feels really free. Oh, so nice. Un homme libre, je pense, c'est quelqu'un qui se ment pas à soi-même et qui suit ses rêves tout simplement et qui les accomplit. Voilà, faut mettre de côté la peur. La peur, elle va toujours être là et suivre son chemin. Enfin, t'as toujours des rêves et il suffit de les réaliser parce que c'est concrétisable tout ça si t'y mets le travail qu'il faut. Voilà, un homme libre, à mon avis, c'est quelqu'un qui tente ce qu'il a envie de faire.